Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition Zoom Ecolive, vous informer sur toute l'actualité à caractère économique en RDC et de notre ressort. Voici les grands titres. Les chiffres clés porteront sur l'évolution du cours des produits de base en RDC au 24 octobre 2024. Le point avec Benita Mouini. Ensuite, le dossier nous donnera des précisions sur le marché d'exportation de la RDC qui va vers une diversification au regard de la dépendance économique envers la Chine. Mais avant d'entrer en profondeur sur ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Le gouvernement central l'annonce par le biais du ministre des Finances, Doudou Fouambalikoundé Libotaï. Le paiement de 58 millions de dollars américains, un premier acompte de manque à gagner en faveur de toutes les corporations de pétroliers de toutes les zones de distribution. L'annonce a été faite lors d'une réunion dirigée ce lundi 4 novembre 2024 par le ministre des Finances avec une délégation de pétroliers représentant les différentes zones de distribution en République démocratique du Congo. D'après le ministre des Finances, ces paiements participent des efforts du gouvernement à apurer, par échelonnement et le plus rapidement possible, le manque à gagner de l'exercice 2023. Liste aux détails, ce sont Thierry Coprenet. Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedimbui, a informé le membre du gouvernement des évolutions de la conjoncture économique intérieure, soulignant la stabilité du cadre macroéconomique grâce à des efforts continus de coordination entre le politique budgétaire et monétaire. D'après Madame Kabedi Malangu, le taux d'inflation hebdomadaire s'est stabilisé à 0,11%, portant le cumul annuel à 10,38%. Ce chiffre est nettement inférieur au taux de 18,97% enregistré à la même période en 2023. Cette amélioration témoigne des efforts déployés par la BCC pour maîtriser l'inflation et stabiliser le pouvoir d'achat de Congolais. Plus de détails sur Zontiré Coponet. La plateforme Africa de Big Deal a publié récemment le rapport mensuel financier sur les startups africains. Selon le rapport, en octobre 2024, le startup africaine a levé 254 millions de dollars américains, un record pour ce mois depuis 2019, alors que 42 autres entreprises ont mobilisé de financement malgré un contexte global de resserrement de liquidités. En effet, ce chiffre place le mois d'octobre comme le deuxième meilleur mois de 2024 après juillet, avec une hausse de près de 50% par rapport à la moyenne de 12 mois derniers, un contraste avec la tendance mondiale. Plus de détails sur Zondiré Copanet. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme sur les besoins massifs de financement pour protéger les forêts mondiales et soutenir la lutte contre le changement climatique. Dans son nouveau rapport, l'institution renseigne que pour atteindre les objectifs de conservation, biodiversité et de restauration de terres, il faudrait pour deux parties prenantes investir 536 milliards de dollars américains chaque année, soit 4 fois le montant actuel pour un total de 8,4 trillions de dollars américains d'ici 2050. Dans la même ordre d'idées, le programme Global Challenge Programme Forest for Development, Climate and Biodiversity, lancé par la Banque mondiale, vise à transformer les pratiques de gestion forestière. Plus de détails chez Zomtire Copanit. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons prendre à présent les chiffres clés que nous allons exploiter avec Benita Mouini. Elle nous parle de l'évolution du cours des produits de base en RDC au 24 octobre 2024. Suivez les précisions, c'est avec elle. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci, Onamaka. Voilà, nous allons commencer comme à l'accoutumée. Qu'est-ce qui s'observe actuellement sur le taux de change en RDC? Voilà, actuellement, en ce qui concerne le taux de change, nous allons prendre déjà la partie officielle qui est notre taux miroir. Il s'agit de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar est fixé à 2849 francs congolais. Un franc CFA à 4,73 centimes et 3005 francs congolais pour 1 euro. En ce qui concerne le marché parallèle, nous sommes basés à Lupen, dans ce lieu. 1 dollar s'échange à 2850 francs congolais, un franc CFA à 4,80 centimes et 3200 francs congolais pour 1 euro. Bien, combien s'est établi l'évolution du cours des produits de base, notamment le prix du baril de pétrole au 24 octobre 2024. Voilà, le prix du baril de pétrole s'est situé à 74,73 dollars américains au 24 octobre 2024, enregistrant une hausse hebdomadaire de 0,35% en raison des craintes d'extension du conflit au Moyen-Orient. Comparé à fin décembre 2023, le prix du baril du pétrole a connu une baisse de 4,03%. Bien, en prenant en compte l'évolution toujours des produits de base, à combien s'est chiffré le prix du cuivre
au cours de cette période et quelle a été la variation par rapport à fin décembre 2023 à la même période? Voilà, s'agissant du prix de cuivre, il s'est établi à 9 528,50 $ américains, soit une baisse de 0,88% par rapport au 17 octobre 2024. Comparativement à fin décembre 2023, il a augmenté de 11,69% la tonne du cobalt. C'est négocié à 23 981 $ américains, soit une hausse hebdomadaire de 0,15%. Et une baisse de 26,78% par rapport à fin décembre 2023. Et que dire du cours de l'or au cours de cette échéance justement? Le cours de l'or a atteint 2 729,94 $ américains l'once au 24 octobre 2024, traduisant une hausse de 0,41% comparativement à son niveau du 17 octobre 2024. Cette évolution tient au fait que certains pays émergents comme la Chine tendent à se détourner du dollar en tant que monnaie de réserve rapprochée à fin décembre 2023. Et les prix de l'once d'or a enregistré un accroissement de 31,86%. Alors, Benita Mouini, merci pour tous ces détails. On va finir avec cette question. Qu'en est-il de l'évolution des produits agricoles tels que le riz, le blé, le maïs? Voilà, en ce qui concerne le prix de produits agricoles, le prix de riz, du blé et du maïs sont connus de hausses respectives de 0,13%, 14,89% et 2,75%, atteignant ainsi 331,46 $ américains, 212,83 $américains et 154,9 $américains la tonne. Cependant, depuis le début de l'année 2024, ces trois produits affichent de baisses respectives de 14,46%, 6,82% et 10,42%. Benita Mouini, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Retrouvons-nous prochainement pour de nouveaux chiffres. Merci, Onamaka. RDC, marché d'exportation vers une diversification au regard de sa dépendance économique envers la Chine. Judith Piombo nous donne des plus amples détails dans le dossier. Suivez. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de la RDC qui s'en va vers une diversification au regard de sa dépendance économique envers la Chine. Alors, on va commencer par cette question. Par quoi s'explique cette forte dépendance économique de la République envers la Chine? Alors, Namakov, vous devez savoir qu'en raison du fait que la Chine soit le premier partenaire commercial de la République démocratique du Congo, elle absorbe une part significative de ses exportations, principalement constituées de matières premières. Et pour répondre directement à votre question, cette forte dépendance se justifierait justement par le besoin croissant de l'industrie chinoise en ressources naturelles en vue d'alimenter sa croissance économique. Voilà, quel est le bilan des exportations totales de la République démocratique du Congo déclinées envers la Chine et prenant durant les trois dernières années? D'après le document 8 du projet de loi de finances pour l'exercice 2025, environ 51,8% en 2020 et 52,4% en 2021, 58,8% en 2022 et 57,3% en 2023 des exportations totales de la RDC qui ont été uniquement destinées vers la Chine respectivement. Et il y a aussi eu 23,9% des importations de la RDC qui ont été d'origine chinoise, plaçant ainsi la Chine devant l'Union européenne, dont les importations ont présenté 9,6% du total en 2023, suivi de l'Afrique du Sud avec 15,9%. Alors, je dis, cette dépendance entraînerait quoi comme conséquence dans le pays, surtout dans l'exécution de la loi de finances 2026? Voilà, cette situation risque de perturber l'exécution normale de l'exercice de la loi des finances 2025 au cas où l'activité économique serait ralentie en Chine, et ceci c'est d'après le gouvernement. Alors de ce fait, cette dépendance économique expose la République démocratique du Congo à plusieurs risques, notamment une baisse de recettes d'exportation et une diminution des investissements chinois, la volatilité des prix des matières premières et pour finir l'augmentation des coûts de l'importation. Et que prévoient les autorités compétentes pour y faire face? Justement, pour faire face à cette situation, le gouvernement congolais prévoit donc à diversifier les marchés d'exportation, promouvoir l'investissement et de l'innovation, renforcer les politiques fiscales et budgétaires, ainsi que l'intégration régionale et développer les activités locales de transformation des ressources naturelles et enfin tirer profit du soutien financier de 50 milliards de dollars américains pour les trois prochaines années annoncées par le président chinois lors du forum sur la coopération sino-africaine 2024 tenu du 4
au 6 septembre de l'année en cours, l'année 2024. Merci beaucoup, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous revient avec les prix des produits 100% naturels pour les cheveux. Les détails, c'est avec Naomi Kande. Commençons ces marchés avec un pot de beurre de karité qui coûte 500 francs pour la petite boîte. La grande boîte de beurre de karité revient à 12 500 francs. Pour apporter de l'éclat et la brillance à sa chevelure, un litre d'huile de coco se fixe au prix de 26 650 francs. Elle hydrate et répare sans jamais alourdir ou graisser sa chevelure. Un litre d'huile de jojoba coûte 32 150 francs. Les bienfaits du citron sur la chevelure est important. Cela se vend à 500 francs par citron, 1000 francs par botte ou mupiku en lingala. Le miel est un parfait allié pour vos cheveux qui se vend par une petite bouteille de 3500 francs. Une bouteille de miel d'un litre se vend à 7 500 francs. On retrouve aussi les vinaigres blancs qui se vendent à 6 000 francs pour une mesure d'un litre. Pour les cheveux secs et abîmés, un avocat commence à partir de 1 500 francs. Le protéine contenu dans l'œuf vont fortifier la fibre capillaire. Un œuf coûte 600 francs et 500 francs chez d'autres commerçants. Pour ceux qui préfèrent se procurer un plateau d'œufs, cela revient à 15 000 francs et 16 000 francs. L'aloe vera possède des protéines hydratantes et fortifiantes qui permettent de renforcer la fibre capillaire de tout type de cheveux. Un pot d'aloe vera coûte 500 francs au marché de Kinshasa. Cela se vend aussi à 2500 francs au supermarché de Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez participer aux incontournables rendez-vous à caractère économique? Adassa Grasse nous précise sur l'heure, la date, mais également l'ordre du jour. L'agenda du 6 novembre 2024, c'est maintenant. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Mboka Digital 2024 a vu débuter la nouvelle session L'Arbre à Palabre du Digital le 5 novembre dernier à Kinshasa et se poursuit jusqu'au 8 novembre prochain avec le même thème, des informations et crise sanitaire, promouvoir de bonnes pratiques digitales pour renforcer la confiance publique au système de santé à l'ère d'Mpox. Notons également Rodel Opportunity Business prépare sa nouvelle session Business Nachombo le 9 novembre prochain et sera axé sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Un rendez-vous à ne pas louper avec Hub Industrie qui prépare à son tour une formation le 10 novembre 2024 à Kinshasa axée sur les thèmes comment acheter depuis Kinshasa en Chine et en Turquie et être livré à Kinshasa. Et pour finir, signalons également que la conférence sur les hydrocarbures, initialement prévue du 7 au 8 novembre 2024, est renvoyée au 18 et 19 novembre prochain au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 du jour va à la rencontre d'un vendeur qui nous relate son quotidien. La débrouillardise, c'est parti. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Gai artiste Swana Willy
artiste soit na zali na limité à na cette mairie. Oui, zali zandwa biki ko chozo ça la paix aux arotek. Ko tsana mesa chozo tek. Nazali responsable. Nazali na bana mine, bana msu bana université. Nazali ko tang. Na bokolo abanga na musalo nazali ko sal. Utandako. Na rutangi sabana. Olia mokolo na mokolo kana musalo. Ndenge na bani musalo nazali ko sala. Vraiment ba koko se le kelinga mingi. Talande tozali awa. Mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali. Nde bayaka osomba ka biloko. Touriste ezali te. Ba parisien ndenge bayaka. Mwalem sa sombi deux pièces. Soka sombi pièces ebele. Na aéroport bazo tungisa ye. Mona baba ye ko somba ka biloko ebele. Somba ka deux pièces a repesa cadeau na poto kuna. Alors le roi touriste est allé tout revivre la page. Bon, et que quand on a bandit au salaire, on a sali 4 jours. On a salaire, on a dans le monde, tango, on a salaire, on a vendu la peau, on a salaire, on a salaire, on a bandit, calcul, on a payé Zali pour nous côté Kayango. Dernier prix nango ezali na $50. Prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa. $50. Oui, banzete otokende osomba na maluku tosomba grim. Grim wana ezalaka na $100. Sombi yango ezwi ba sillère. Ba kati kati anga na maluku kuna na formé anga na tena camion na eko tia awa na bandi ko sala nyoso tumbo no se kabasa $80. Grimo konet ba pièce ya mikebo bimsa eta mo 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mikebo. Bongo na bimisa ka $70 wana donc so na sali biloko a boye na ganyaka donc na ganya eta ba $600 ko marché zate ezalon we musalo ezo permettre ngai na koka ko futela ndako ko tangisa bana ko liesa bana ezali musala moko ya bien ya mbongo. Souci n'a pas été Moussala Oyo, tout Zali, Nazali, Moussala Oyo. N'alignez l'État soutenir Ngaï pour nous avoir des lèvres, n'alla qui sa Moussala. Bissoyo, bah, âge et qu'il est l'olobi tout Rosalate, tout la qui sa bana batikala na Moussala Oyo. Je conseille n'a opé sa paille à bana, paille que la Moussala. Moussala n'a pas eu quand la bana ma case, c'était moins na moana, na Moussala Oyo ya l'ini, ya moya voyé. Pour les longs à la côté le matin, à mon imo à la moko boya au yoga la moussa la tienne, moi n'a yé moko à boya, tant wa yé, koulouba papa, n'a assez pelle à la moussa la na salamo, n'a comprendre que zadonae. Pour ceux qui zadonnaient à rolling à moussa l'autre, à ouer par un peu facile. Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de rester toujours nombreux à nous suivre devant vos écrans. C'en est fini pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain, même chaîne, même heure, même plateforme. Au revoir et à très bientôt.